Et bon, les petits amis, nous voilà revenus sur la suite des épopées de Lara Croft dans Tomb Raider 1, le first, le premier. IA qui se bat en convention de geek. Convention geek. Et donc, début du niveau, on en était à la cité de Camoun. Avec Redo. Oh! Ah, du coup, tu vas voir Redo. Bah, c'est sympa ça. Bah, tu lui feras le bisou au cher monsieur Redo. Voilà. Je ne l'oublie pas. Et j'espère que pour lui, tout se passe bien. Van, c'est pas loin de chez toi? Kappa? Ah, t'es chez lui? Oh! Bah, le bisou à monsieur Redo alors. Bah, c'est sympa ça. Mais du coup, vous faites quoi? Vous enculez? Quoi? Vous avez passé la nuit ensemble? Vous avez échangé les fluides? Parce qu'il me semble qu'il a une copine. Vous avez fait des trucs à trois. Mais non, je suis chez moi. Mais non, mais moi je parle de IA. C'est IA qui est chez... Elle est sympa sa copine. Elle a un bon fumé. Allez, j'arrête de dire des cochonneries. Non, il est... Ah bon? Il est célibataire depuis des mois? Ah ouais? Ah merde! Ah bah, bah, je suis triste pour lui, parce qu'il me semblait que ça se passait bien avec sa copine, quand même. Bah, si t'habites pas loin, va les voir en convention! J'ai passé la nuit dans son lit. Ah, et du coup, il a un petit fumé. Ah. Du coup, vous avez fait tourner les cucus de Pikachu. Bon, la petite musique est pas désagréable, hein, franchement. Ça camoufle un petit peu les bruits de vent, malgré le fait que les bruits de vent soient un petit peu forts. Par contre, je vais pas mettre la musique non plus trop fort. C'est un brave homme. Et ça fait une éternité que je suis pas allé voir d'autres lives. J'espère que pour lui, ça se passe bien. Je pense que oui, parce que le mec, il gère quand même. Je suis chez lui depuis lundi dernier, ah ouais. Et du coup, il t'a fait des pizzas? Ok, là-bas, il y a un interrupteur. Ok. Ah merde, j'ai pas regardé ce qu'il y avait là-haut. Mais à mon avis, je ne peux pas atteindre. Oh putain, je suis trop fort. Il a fait des pizzas. Oh, il faudrait m'envoyer une pizza par la poste. Je serais curieux de, de goûter une pizza faite par Monsieur Redo. Une pizza spéciale Black Devil. Il y a quoi? Ça, on peut pousser. Ah, attends, je pense qu'il faut tirer. Faut venir à Brest, là. Bah, faut venir à Singapour, là, putain. À Brest, y'a rien à voir. À Singapour, y'a des milliards de choses à faire. Est-ce qu'on s'emmerde à Brest? Franchement, on est à Singapour, on se fait une petite journée au Universal Studio. Je peux vous dire qu'on va... On va bien s'amuser. Alors, est-ce que je suis bien, là? Je pense que oui. Du coup, je peux tirer ça. Je vais me boucher, on doit se motiver. Oui, motivez-vous.
Allez, à la douche, les garçons, à la douche. Vieille fesse. Attends, Twitch n'a pas modéré ça. Mais merde, mais moi je peux même pas écrire chat. Et on peut faire des émotes bisous sur les fesses. Bah, franchement avec la musique, là, le bruit de vent, ça passe carrément mieux quoi. Ok, ça on peut pas le pousser. Donc j'ai bien fait. Ok. On avance, on avance. Ok, la sauvegarde. Il me semble que j'ai tout fait du coup là-bas. Ce qui est quand même marrant, j'ai tout fait, mais il y a quand même un truc. Je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, c'est pas grave. Putain, Black Panther! Un puma! Ou un jaguar. Oh, je vois la tête. Je vois la tête d'un sphinx. Elle est très forte. Ok, ça je m'en souviens un peu. Enfin, je me souviens du décor, mais après ce qu'il faut y faire, ça je m'en souviens plus. Je vois déjà qu'il y a des cartes. Oh là là, il y a l'air d'y avoir des milliards de choses à faire, putain. Aïe 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 aïe. Il y a une oasis. Oh putain! Un monstre chelou bizarre, c'est Doom. Ah oh putain, c'était une momie de jaguar. C'est fou que ça souffle autant. Et c'est même pas le bon bruit de vent en plus. Ça, c'est un bruit de vent de falaise au bord de la mer. C'est pas un bruit de vent de crypte, ça. Y'a rien à voir. Là, il y a un truc. Ok, est-ce que j'ai une clé? Je sais même plus si j'ai une clé. Non, j'en ai pas. Ça, c'est... Ok. Faut trouver la clé. Fermé. Là, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il va falloir trouver des médaillons.
Allez, c'est le plouf. Hop, ok. Y'a rien d'autre. Ok, y'a rien d'autre. Donc là, y'a une grille. Je peux monter là. Non, je ne peux pas. Ok, là-bas il y a un truc. Voyons voir ce que c'est. Et c'est le plouf. Est-ce que je peux monter là? Là, je peux pas monter. Là, on devrait... Non ! Attends, j'ai pas tout bien vu, là. On devrait pouvoir quand même... Ah, attends. Est-ce que... Ah, mais on peut monter, là. Pas comme ça, mais on peut monter. Ni comme ça. Bien s'aligner. Ok, je suis bien en face. Ok, munitions. Donc comment faire? Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les grilles, je ne peux pas passer. Là non plus, je ne peux pas passer, c'est trop petit. Putain de merde. Alors qu'elle devrait pouvoir, quand même. Enfin, je veux dire, elle est tellement fine. Elle peut pas monter, là. Elle peut passer, bordel. Allons voir de l'autre côté. Est-ce que je peux monter là-dessus, là? Je peux monter, ok. Est-ce qu'il y a un truc à faire, là? Les genoux. Donc là, c'est fermé. Là, il y a un passage potentiellement. Là, c'est trop haut. Salut Xenox. Là, c'est trop haut aussi. Salut Xenox. Ok, alors comment faire? Là je suis bloqué. Bon, au moins la zone n'est pas très grande. Forcément, je dois pouvoir trouver. Comment ça va? Ça va nickel, et toi?
C'est super nice. Et tout le monde est en week-end de 3 jours, je pense. C'est pour ça que tout le monde va bien aujourd'hui. Ah, est-ce que je peux faire un petit saut d'ici là? Non, c'est trop loin. C'est pas possible. Là, je peux rien faire. Il y a forcément un truc que je loupe. Et où est le truc que je loupe? Ok, le truc que je loupe, il est là. Ok, donc on peut passer là. Et salut Micop. Là. Ok. La clé magique. La clé saphir. Oh putain les genoux. C'est stylé, mais c'est toi qui es stylé. Ok, on avance, j'aime bien quand ça avance, moi perso. Et salut Atsuki. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir une bestiole. J'en étais sûr. De la vie. Il y a un passage là. Oui, il y a un passage. Est-ce que j'ai loupé un item? Non, que dalle. Tout va bien. Ok, on va reprendre les petits flingues. Et j'en étais sûr. Tiens, les Black Panthers. On est au Wakanda, bordel. Ok, là, je vois une clé. Et je vois une petite clé. Un croco. Des loups qui apparaissent d'en haut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des loups. La sauvegarde. La sauvegarde. Ah ! Ok, vérifions un peu tout ce qu'on a dans cette nouvelle zone. Là, c'est une porte. Là, c'est de la flotte. Là, c'est un piège.
Non mais ça veut dire qu'il y a un passage au-dessus là, s'il sort d'où ce caillou. Non, y a que dalle, ok. Oh, et là je vais mourir. Okay. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça? Que dalle. Oh, Kira des chaules là, ma toute belle, ça fait une éternité, comment qu'elle va? Le passage, le levier, le levier. Ça va me propulser ou non? Là, il y a un passage. Ok, il y a un croco. Vérifions qu'il y a peu des items. Ouh, le croco. Ok, on se barre. On remonte. Ah. Viens ici, mon joli. Heureusement qu'il y a la musique, hein, parce que le bruit de vent, j'aurais déjà mal au crâne. Ok. Nous sommes là. Là, il y a un petit passage. Je suis réveillé à 8h, j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déj. Bah vas-y, prends ton temps, enfin je veux dire, il y a pas... Tout va bien, si tu veux j'arrête. J'arrête le temps que t'ailles chercher ton café. J'ai un bâton cracker. Mais moi, c'est le bruit de ma tasse qui t'a fait penser au café, c'est ça? Il faut pas hésiter. Oui. T'as vu comme quoi? Moi, je suis en 5 dimensions, mec. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a des Égyptiens déguisés en puma? Est-ce qu'on peut récupérer ça pour la collecte perso? Je veux dire, c'est quand même... Je sais pas si c'est une archéologue ou quoi, ou si c'est juste une pièce de trésor. Mais je veux dire, elle voit des trucs comme ça, elle devrait les récupérer, bordel. Sa place est dans un musée. Et je parle de Lara Croft. Oh, Satan le démon. Ça te tend? Ça va et toi? Putain, le bruit, j'ai cru qu'il y avait des chauves-souris là. Il s'est passé quoi? Ça a bougé ça. Ça va, j'ai loupé quoi? Pff, t'as loupé des milliards de trucs.
Comment faire? Alors là c'est l'énigme là. Comment faire pour grimper là-bas? Laissez l'énigme. Celle-là, il n'y a que dalle. Là, c'est trop haut, je peux pas monter. Ah, attends. Ah, j'ai peut-être une idée. Que je pousse ça. Ok. Et celui OX2. Non. Ok, est-ce que je suis au max? Je suis au max. Oh, insolente, elle est là, elle vient de se réveiller. On se fait la bise. Ok, ça passe. Comment qu'elle veut la douce insolente. Elle a passé un bon samedi, une bonne nuit, elle a bien dormi. Est-ce qu'elle était nue? Bon, ça y est, on débloque les trucs. Ok. On a débloqué des polygones cassés. Je le pousse encore, oui. Là, il n'y a que dalle. Là, ça va être le saut de la foi. Oh, quel effort! Et insolente, il est où le cosplay? On attend toujours. Hein. tu avais promis le cosplay. Je dors toujours le cul nu et j'ai attrapé un rhume. Oh merde, mais pourtant c'est pas par là qu'on respire. T'as attrapé un rhume du cul? Mais c'est incroyable du cul. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, le Vipsou, salut, le Vipsou. Cosmique. Ça repart là-dessus. Ah bah oui, bah écoute, quand t'es là, moi je ne pense qu'à ça. Ok, donc là il y a un petit passage sur le côté. Ok.
Je pète des paillettes. Oh! Tu éternues? Tu péternues? La 152e sauvegarde. Putain, j'ai complètement oublié qu'il y avait tout ça, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'y avais pas joué. Qu'est-ce qui s'emmerdait à l'époque les Égyptiens à faire des passages comme ça pour aller aux chiottes? Pour aller prier son dieu. Ok, donc là j'ai récupéré ça. Est-ce que j'ai débloqué autre chose? Je suis une licornasse. Une licornasse. C'était pas loin. Il y a un truc de l'autre côté là. Et comment qu'il va le Bipsou? À mon avis, ça passe. Il guérit sa jambe doucement. Tu te fais mal à la jambe? Ok, il y a un coco qui est apparu. Oh, ça doit passer. Oh oui, ça passe. Le petit secret. Ok, par où je peux descendre là, sans me faire mal. Ah, tu t'es fait tatouer. Ah oui. Bah GG, bah c'est bien. Du coup c'est pas guérir en fait. À moins que le mec t'a transpercé la jambe. Alors là du coup, qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis pas allé là. Il me semble que je suis pas allé là. Ah si si, j'y suis déjà allé. Ah ça passe pas, voyons. Ah si ça passe. Oh, c'est là qu'il faut aller. Ok. Oh là, il y a plusieurs chemins s'offrent à moi. Tu es tatoué? Non, je ne suis pas tatoué. Et toi, insolent, tu es tatoué. Et tu, qu'est-ce que tu t'es fait tatouer, mon cher Bipsou?
Alors là, il y a... Attends, vas-y, je vais faire un sauvegarde, parce qu'il y a des milliards de chemins. Ok, ça c'est bien. Oh. Il sent rien. Oui, mais je vais pas citer les endroits. Oui, donc du coup, c'est sur la chatte. Faut que j'évite de manger trop de chocolat. Pourquoi t'as pas de bras? Je me suis fait tatouer une tête coupée de Mimi, un dieu nordique de la connaissance et de la sagesse. Oh, bah, dans ce cas-là, si tu voulais te faire tatouer un dieu de la connaissance et de la sagesse, ça va te faire tatouer un Black Devil. Non, mais j'ai mangé une barre de chocolat en un mois. Bah ça va, du coup, une barre de chocolat. Loin sur le côté, mon beau Black Devil. Oh, la... il nous faut la preuve. Enfin, en tout cas, moi, il me la faut. Ok. Oh, mais quelle conne! Merde! Attends, oh, fais chier, putain! Ah, parce qu'il y avait un autre passage. Pardon, je peux faire une photo de ma chatte? Mais non, t'as dit à côté. Tu veux une photo à côté de ta chatte? Voyons. Photo ou fake? Oui, c'est ça. Je peux faire une photo de ma bite pour montrer que je n'ai pas de tatouage, pour vous prouver que je n'en ai pas à côté de ma bite, mais je mets la main sur la bite. Du coup, on voit rien. C'est tout prêt. Oh, et du coup, t'as fait quoi comme tatouage? Ce qui est marrant, c'est que c'est un endroit que tu ne voulais pas citer. Hein. Le simple fait de dire que c'était un endroit non citable, du coup, on sait où c'est. C'est pas du jeu. Pourquoi ça hein? Parce que moi, j'aurais bien voulu faire une photo de ma chatte, mais comme j'en ai pas, du coup, on fait comment? Comment il fait le Black Devil? Il fait une photo de sa bite. Caché. Alors, je voulais aller voir de l'autre côté, là. Ça me semblait qu'il y avait un autre passage ici, là. Avant de partir. Oh putain de... Ah, puis en plus, la lame qui rentre dans l'arrêt, là, oh, ça fait pas plaisir.
Ça fait mal, oui, c'est effectivement. Et salut SSGD, c'est serveur. C'est des fleurs en fait, des roses tulipes. Ah ouais. Et pourquoi avoir eu envie de les faire ici? Petite question comme ça. Rapport au butinage? Il y a une allégorie? Il y a une analogie? Enfin, une chatologie? Ok, donc là on est bien. Petite sauvegarde encore, mais j'arrête pas de sauvegarder. Hein. Moi je je m'en bats les couilles. Est-ce que on tente le saut? On va tenter le saut. Et ça passe pas. Ah merde! Oui! Sur le cadavre. Allez, allez. Aïe. Parce que j'ai vu ça sur internet et c'était tellement beau que j'ai voulu le faire. Par contre, j'ai bien souffert. D'accord. Mais du coup, ma question c'est toujours pourquoi à cet endroit ? Allez, direct. Hop, 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 hop. Près de la zone de ma chaîne, ça fait super mal. Et oui. En fait, est-ce que c'était pour toi l'envie de faire un truc genre la petite le petit Kinder Surprise en mode t'es avec un mec et puis boum le petit tatouage, oh, et c'est un petit peu excitant. Est-ce que c'était un peu le délire? Ok, donc là il va falloir ouvrir cette porte. Car ça prend une partie des côtes, ça descend jusqu'en bas. Ah oui! Ah oui, en fait, d'accord. Donc en fait, c'était pas forcément prévu que ça aille aussi bas. C'est juste qu'à un moment donné, le dessinateur n'avait plus de place sur la page. Et c'est Ryu Magical Beakist. Il avait fait, oh merde, j'ai plus de place. Merde! Excusez-moi, j'ai fait trop gros. Ah merde, il y en a encore.
Oh, le good morning, Ryu Magical. Ça fait un petit moment, non, Ryu Magical? Mais d'où ils viennent? La porte. Est-ce que la porte s'est ouverte? Ah oui, la porte s'est ouverte. Ok, on va les buter après. Salut, comment tu sais que je suis là? J'étais en Tsum Tsum. Ah, j'ai moi aussi mes petits secrets, mon cher Ryu. J'ai mes petits bots à moi qui me permettent, dès qu'un viewer vient sur mon live pour la toute première fois, la seconde où il débarque, ça installe un logiciel espion sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ce qui me permet déjà d'une... Oh merde! Ah! Putain de momie! Oh, on fait chier! Il a dû avoir bon de voir une partie de ma chatte. Ah bah oui. Ah mais ça, les tatoueurs, je pense qu'ils doivent se régaler. Hein. C'est un peu... Le métier de tatoueur, c'est un petit peu... Merde, je sais pas pourquoi je fais ça, alors que je sais très bien que je vais crever. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, en direct. Tanga ce jour-là. Tanga? Tanga, c'est pas que pour les mecs. Vas-y, je vais les brain. Je vais les brain. Hop, je t'ai brain. Ah merde! Ah non, c'est eux qui m'ont brain. Tes horaires ne sont plus les miens. Ah, bah écoute. Enfin, si, maintenant mes horaires sont quand même un petit peu français, parce que je fais mes lives le week-end maintenant. Et généralement, je les fais de telle sorte à ce que ce soit soit le matin, soit le dimanche matin, soit le samedi après-midi, pour la France. Putain, mais ils m'emmerdent. Allez, go, 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 Space Marine! Ah, putain! Ah, je perds pas de vie, c'est marrant. Eh, ils m'ont pas fait perdre de vie, c'est rigolo, ça. Et de 1 et de 2. Depuis les grandes vacances, je me suis même pas coupé les cheveux. Du coup, on dirait qu'ils font 2 mètres de haut. De haut, c'est-à-dire ils poussent en hauteur. Le jour où je me suis fait tatouer, j'étais en kilt. En kilt. Le week-end, j'ai les enfants, mais t'inquiète, je reste follow. Ma fille est... Fidélité t'est acquise. Oh, c'est sympa comme tout, mon cher Ryu. Merci à vous, pauvres fidèles. Le jour de l'invocation arrive bientôt et du sacrifice. Ah d'accord, le simple fait de marcher là, ça ouvre la porte. Ok, donc là on va éviter de se faire baiser par la momie. Ça lag? Non, ça lag pas. Non, non, non. Il y a zéro image perdue. Hein.
Pour faire le sniper le connard là. Ah putain. Saloperie. Est-ce que c'est un passage secret? J'ai vu que j'avais accès à Wizbot, alors je me suis fait un petit plaisir. Voici une nouvelle commande. Malgré l'armée de modos, enfin le premier modo qui commence à faire un petit peu des folies. Vas-y, c'est quoi la commande? Où la clé? J'avais mis une alter son en plus, mais tu n'as pas les tu n'as pas dû les activer. Hello, salut tout le monde. Oh putain, je t'enlève mon dos. Non mais c'est interdit. La commande hello quoi. J'avoue, t'as commencé très soft. T'as essayé de ne pas partir dans du trop dégueulasse. C'est un peu limite, mais ça va. La commande hello quoi. Je sais pas pourquoi, mais depuis hier, ma connexion me fait des films, elle s'éteint et se rallume. Ah ouais. Non, non, mais là, ça lag pas, hein. Il y a zéro image perdue, tout va bien. Avec cette petite musique, là, on n'est pas bien. Je me demande si j'ai une commande. Chat, tout simplement. Qu'est-ce que ça a fait? Ah oui. Putain, mais ça a fait quoi? Oui, non, elle ferait quoi? Ah, t'as fait la commande chute! Ça marche pas. Ah, bah la commande chat, elle mettrait le numéro de portable d'Insolente. Ouais, elle mettrait la photo du tatouage d'Insolente, automatiquement. Où ça mettrait toutes les photos que j'ai reçues. Un peu olé olé de certaines nanas. Depuis toutes ces années. C'est marrant ça. Ah mais si, elle existe déjà la commande chat, effectivement. Sauf que, je sais pas pourquoi ça lit pas. Ah, c'est peut-être une emote. C'est une emote que Twitch m'a virée. Ah ok, ça a ouvert ici, ok, d'accord. Ok, avant de tomber connement là-dedans. Ordonne et je m'exécute au grand maître. Attends, je te trouve la photo. Donne-moi une... À la prochaine pause, je te passe la photo d'Insolente. Oh putain, c'est tellement bien fait, ça fait tomber le sable. Ok, là, faut une clé. Ah oui, ok, là, c'est de l'autre côté. Est-ce que j'ai une clé, là?
Les clés saphir. D'ailleurs, justement, si j'ai accès à Wizbot, c'est parce que tu m'avais demandé un truc, mais je me souviens plus de quoi. Mettre une photo, je suis pas sûr que ça va faire, mais j'aime l'aider. Et du coup, on pourrait mettre la photo de Stra... Ah merde, c'est la fin du niveau! Ah non, mais ça ne va pas, ça. Ah merde! Putain, ça m'a surpris. Du coup, je peux pas revenir. Il me semblait que j'avais pas tout fait. Merde. PlayStation, je kiffe ce jeu, mais j'avais pas souvenir que c'était aussi moche. Oh, ça va, c'est pas si moche. C'est pas si moche. Là, en plus, c'est un petit peu... C'est un petit peu tweaké pour que, justement, la 3D soit non pixelisée. C'est-à-dire qu'on est, on est quand même dans une résolution un peu grande. Bon, on va faire sauvegarde, je veux pas revenir en arrière. Et du coup, là, c'est quoi le nom du niveau? L'obélisque de Camoun. Mais c'est marrant parce que... Attends, dans le niveau, il y avait un pilier où il fallait mettre des trucs. Attends, je vais recharger. J'ai l'impression d'avoir loupé un gros truc dans la... Ah merde, ok, faut que je refasse tout ça. J'ai l'impression d'avoir loupé un énorme truc. Revenons en arrière. Camelto, oui, elle existe. Non, I don't think so. Ah, boum, oui, celle-là, elle existe, oui. Il y a même Love. Attends, je vais pas gaspiller mes munitions là-dessus. Oui, elles sont dans le titre, c'est vrai. Revenez. Mais reviens. Ok, donc par là, j'avais pas été là. Mais c'est juste pour ça. Ok. Mais c'est étrange quand même, parce que au début du niveau, enfin au début, à la moitié, il y avait une espèce de pilier. Il y avait une espèce de pilier où il fallait mettre genre 4 médaillons. Est-ce que j'ai trouvé des médaillons d'ailleurs? Non, que dalle. Ah, c'est marrant ça. Ah, la figurine. Ah oui, alors, sachant... sachant que la semaine dernière... J'ai fait un petit quelque chose pour l'insolent. Et ça m'a, du coup, donné envie de remanier un petit peu les petites figurines... qui étaient en ligne. Et du coup, il y a la petite White Angel que j'avais préparée depuis des mois et des mois. Elle était sur la plateforme depuis un an même. Et je l'avais jamais publiée. Et donc là, du coup, maintenant, je l'ai publiée. Donc maintenant, vous pouvez avoir la figurine de White Angel. Ouh.
Et je vais en faire d'autres, hein, je pense. Là, du coup, il n'y a rien à faire, là. Okay, je peux juste m'agripper. Ah oui, mais ça va là-bas. Ça, je m'en souviens. Il y a une moto. Il y a la moto. Bon, allons finir le niveau. Et puis, de toute façon, comme ça, on est pile à une heure pour cette mission. Donc ça, c'est bien. Il est quelle heure? Il est 5h de l'après-midi. Et ça fait déjà 3h de live. Donc ça veut dire que il n'y a plus que 1h de live. Parce qu'après, en plus, avec ma nana, on va au resto à 8h. Ah! Merde! Ok, tout va bien. Oui, plus qu'une heure de live. Mais là, au moins, je suis content. Parce que c'est vrai que la semaine dernière... la semaine dernière... Ah merde, c'est où? C'est là. Quel resto? Nous allons à un truc qui s'appelle... à Singapour... burger et lobster. Et c'est ma nana qui a réservé. Elle me fait la surprise. Oui, c'est là qu'il faut que j'aille. Très très bonne surprise. Et notre anniversaire de mariage se rapproche. Allez, hop, fin du niveau. Un seul secret, malheureusement. Malheureusement. Donc, les amis, ça va être la fin de cet épisode. On va faire une pause sur Twitch. Ça va être le moment d'aller se refaire un petit kawa. Elle est insane. Et oui, elle est insane. Les ennemis de Chuck Norris lui disent souvent d'aller au diable. Le diable aurait bien qu'ils arrêtent. Et Ellie est juste derrière. Et Ellie est adorable. Franchement, elle est vraiment... Elle ne pleure plus. Elle ne crie plus. Ce que je disais tout à l'heure sur le live. Oh, bah voilà, là, on est bien, là. Et elle est vraiment adorable. Et là, hier, on a été... on s'est baladé à Ikea. Et tout le monde... Quand on se balade dans les rayons, tout le monde... Tout le monde n'arrête pas de dire... Oh, oh, she's so cute. Oh, elle est adorable. C'est incroyable. On était même dans un ascenseur avec une autre nana qui avait... aussi une gamine dans une poussette du même âge quasiment. Peut-être quelques mois plus vieille. Et il y avait une famille. Il y avait une autre famille dans le. Ben voilà, elle est en train de crier. Il y avait une autre famille dans l'ascenseur. Qui disait. Dégage. Oh, elle est trop mignonne, oh là là. Et du coup, moi et ma femme, on était super mal pour l'autre femme qui avait sa gamine. Parce que du coup, bah, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Franchement, c'était pas cool. Pour l'autre femme. Bref, les amis, fin de cet épisode. Petite pause cigarette.
c'est le moment d'aller faire des photos, n'est-ce pas, Insolente ? Et de me les envoyer à dans 5 minutes pour la suite des épopées de Lara Croft, pour la dernière heure de live. At that's right. Il est où mon écran ? Il est là. Hop !